mais tu repliais les pandards dessus. Ouais, on a enlevé le piano. Balbutio, c'est un spectacle d'improvisation. C'est une forme théâtrale et musicale adaptée à tous les publics. Balbutio, c'est un dispositif simple. Sur scène, nous avons un pianiste improvisateur, un comédien ou une comédienne qui improvise également, dont le jeu est d'inspiration clownesque, et qu'on appelle aujourd'hui des accompagnateurs. Qui veut tenter l'expérience ? À chaque improvisation, une personne du public est invitée à monter sur scène. L'accompagnateur ou l'accompagnatrice est là pour soutenir le jeu de l'invité, faire en sorte qu'il arrive à une expression pleine, ludique. Pour ça, on a des objets qui nourrissent le jeu. Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Ah oui, oui ! Je suis pianiste accompagnateur de danse. Le jeu a toujours motivé en fait mon rapport à la musique. J'utilise toute l'étendue en fait de son dans un piano. Je peux taper avec le couvercle, je peux jouer dans les cordes et m'amuser à faire des sons métalliques en tapant le cadre. J'utilise aussi les ambiances cinématographiques qui sont ancrées dans l'inconscient collectif. Non ! Les personnes qui sont elles-mêmes en situation de handicap, elles vont véritablement avoir envie de participer au spectacle. On peut se regarder. On peut se regarder. Et les personnes ordinaires vont, elles, hésiter ou même ne pas venir. Symboliquement, les personnes en situation de handicap qui participent au spectacle, je trouve qu'elles créent une forme de communauté de joueurs libres qui est éminemment inspirante, qui montre la voie du jeu aux personnes ordinaires, collégiens, lycéens, les scolaires qui peuvent être dans la salle, d'autres adultes. Balbutio, c'est un spectacle sur le jeu en tant que langage, langage premier, langage universel, commun à toutes et à tous, vecteur de rencontres, d'échanges et de créer ensemble. S'amuser, ça permet aussi d'aller plus facilement vers l'autre. C'est la base de la relation, le jeu permet la communication. À chaque fois, c'est un saut dans le vide, on ne sait jamais ce qui va se passer. Mais ce qui est certain, c'est que Balbutio, c'est une fête où chacun se révèle dans sa façon d'être au monde, dans sa façon de jouer. Non.